and majesty. Psaume 122, 1. Psaume 122, verset 1, je lis au nom de Jésus. Amen. Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 41 à 44.
Je lis au nom de Jésus. Amen. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmentant d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Psaume 133, verset 1 jusqu'au verset 3. Cantique de degré de David. Voici, ô, qu'il est agréable, qu'il est tout, et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, Hallelujah. Descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Palavra do Senhor. Amen. Alléluia. Amen. A casa do Senhor. La maison de Dieu. Et à sua importance. Et son importance. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Falando da casa do Senhor. En parlant de la maison de Dieu. Estamos a falar da igreja do Senhor. Nous parlons de l'église du Seigneur. Diga comigo, a igreja do Senhor. Dis avec moi l'église du Seigneur. A igreja do Senhor. L'église du Seigneur. O que é a igreja? C'est quoi l'église? O que é a igreja? Qu'est-ce que l'église? Em grego. En grec. Nous disseram. Ils disaient. A igreja em grego é a ecclesia. L'église en grec c'est l'ecclesia. Ecclesia. Ecclesia. Alléluia. Amen. Ecclesia podemos dividir em duas partes. L'ecclesia on peut le diviser en deux parties. Ec. Ec. Que significa? Qui signifie? Fora. Dehors. Fora. Dehors. Ec. Ec. Signifie fora. Signifie dehors. Ecclesia. Ecclesia. Significa mundo. Signifie le monde. Ec. Significa fora. Ecclesia significa o mundo. Ec qui veut dire dehors, ecclesia qui veut dire le monde. Quando nós juntamos essas duas palavras, quand nous mélangeons ces deux paroles-là, ecclesia significa, ecclesia signifie fora do mundo. Dehors du monde. Fora do mundo. Dehors du monde. Aleluia. Amen. A igreja do Senhor, l'église de Dieu, est la constitution du peuple eleito da nova aliança. Et la constitution du nouveau peuple qui a été élu par la constitution. Et la constitution du peuple eleito para a nova aliança. Et le nouveau peuple qui a été élu pour la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Deus. Dieu. Como queria salvar o mundo. Comme il voulait sauver le monde. O nosso Deus. Notre Dieu. Como queria recuperar o mundo. Comme il voulait récupérer le monde. Como os nossos antepassados. Comme notre antepassé. Os nossos ancêtres. Notre ancêtre. Pecaram diante de Deus. Ils ont péché devant Dieu. Perderam a graça de Deus. Ils ont perdu la grâce de Dieu. Deus não lhes deixou só. Mais Dieu ne les a pas laissés. Deus foi buscar o nosso pai da fé. Mais Dieu est parti chercher notre père de foi. O Abraham. Le Abraham. Deus chamou Abraham. Dieu a appelé Abraham. Para constituir um povo. Pour constituer un nouveau peuple. Que será chamado o seu povo. Qui sera appelé son peuple. Alléluia, povo de Deus. Amen. Alléluia, povo de Deus. Amen. Este povo. Ce peuple-là. Que Deus queria andar, caminhar com ele. Que Dieu voulait marcher avec eux. Este povo. Ce peuple-là. Que Deus queria trabalhar com ele. Que Dieu voulait travailler avec eux. Este povo. Ce peuple-là. Que Deus queria lhes proteger. Que Dieu voulait protéger. Este povo. Ce peuple-là. Que Deus queria lhes abençoar. Que Dieu voulait les bénir. Alléluia. Amen. Deus foi buscar o nosso pai da fé. Mais Dieu il est parti chercher notre père de foi. Et começou a caminhar com ele. Et il a commencé à marcher avec lui. Nous vamos prolongar.
nous allons pas durer. Nous vamos prolongar porque conhecemos essa história. Je vais pas durer parce que nous connaissons cette histoire. Mas eu queria nos dizer. Mais je voulais dire. A igreja. L'église. É o povo eleito da nova aliança. C'est le peuple qui a été élu de la nouvelle alliance. A igreja. L'église. É a verdadeira posteridade do Abraão. C'est la vraie postérité d'Abraham. Posterité. Oui, postérité. A igreja é a verdadeira posteridade de Abraão. L'église est la vraie postérité d'Abraham. Há muitos que dizem são filhos de Abraão. Il y en a d'autres qui disent qu'ils sont des enfants d'Abraham. Mas ainda estão nas práticas de judaísmo. Mais ils sont dans les pratiques de judaïsme. Que ainda estão na lei, estão a viver na lei de Moisés. Qui vivent encore de la loi de Moïse. Alléluia, povo de Deus. Amen. Alléluia, povo de Deus. Amen. Há muitos que se chamam povo filhos de Deus. Il y en a d'autres qui s'appellent disent posteridade de Abraão. Postérité d'Abraham. Mas ainda estão nas práticas antigas. Mais ils sont dans les pratiques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Esses não estão na nova aliança. Ceux, ils sont pas dans la nouvelle alliance. Et non sont a verdadeira posteridade de Abraão. Et c'est pas la la vraie postérité d'Abraham. A igreja bem amado. L'église bien aimée. É a assembleia dos santos que Deus chamou a se para ser colocado de lado. C'est l'assemblée que Dieu a appelé pour se mettre de côté. Assembleia dos santos. L'assemblée de saints que Dieu a appelé. Para ser colocado de lado. Pour être mis de côté. Para ser colocado fora do mundo. Pour être mis dehors du monde. Alléluia. Amen. Dieu les a appelés pour les mettre à part. Dieu les a appelés pour les mettre en dehors du monde. Non, ils vivent dans ce monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Alléluia. Il vit ici dans ce monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Dieu nous a appelés et nous a mis à part. Alléluia. Alléluia. Nous a mis à part, nous reposons sur le fondement qui est Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alléluia. Et l'enfant de Dieu, tout enfant de Dieu, doit être, doit habiter dans les fondements. Alléluia. Si tu es hors du fondement, tu ne fais pas part de l'église de Dieu. Si tu es en dehors du fondement, tu ne fais pas part de la famille chrétienne. Ils avaient été appelés chrétiens parce qu'ils avaient l'habitude, les habitudes de Christ. Alléluia. Et si toi, tu n'es pas dans les fondements des apôtres, tu es hors la famille chrétienne. Et dans ce soir, moi, je crois que je suis devant les enfants de Dieu. Alléluia. Moi, je crois, je suis devant ceux qui sont dans les fondements de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Nous sommes appelés à être à part. Nous ne pouvons pas nous mélanger avec ce monde. Ce monde a ses habitudes. Ce monde a ses chemins. Ce monde a ses convoitises. Mais nous, nous avons un seul chemin. Alléluia. Nous n'avons pas deux chemins. Nous n'avons pas trois chemins. Nous n'avons pas quatre chemins. Nous n'avons qu'un seul chemin. Que Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Nous venons de lire dans les Écritures. Dans l'acte des apôtres, la Bible nous dit, nous venons de lire, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. La Bible dit, ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Les gens qui étaient dans les fondements persévéraient dans les enseignements des apôtres. Et nous ici, si nous sommes dans les fondements, nous devons persévérer dans la parole que nous entendons ici. La parole que nous recevons ici, c'est une vie et c'est une puissance. Alléluia. C'est une vie et c'est une puissance. Comme nous aimons bien la vie,
Comme nous aimons vivre, bien-aimés, nous devons recevoir cette parole. Nous devons considérer cette parole. Car c'est une puissance et une vie. Alléluia. Crois à cette parole. Mets-la en pratique et tu verras ce que l'Éternel fera en toi. Alléluia. Alléluia. Dans l'église du Seigneur, parce que nous parlons premièrement de la maison de Dieu. Après, nous allons parler de l'importance de la maison de Dieu. Dans l'église du Seigneur, je voulais ici souligner une chose très importante. Nous voyons dans l'église de Dieu, il y a des gens qui viennent dans l'église de Dieu, les premiers à arriver dans l'église de Dieu, à parmi eux, c'est là qu'ils se sentent qu'ils sont les propriétaires de l'église. Parce que moi, je suis arrivé avant toi, toi, tu dois être derrière moi. Parce que moi, j'ai fait ceci, toi, tu ne peux pas faire cela. Parce que moi, je suis connu du pasteur, du prophète, toi, tu dois toujours rester derrière moi. Il y a des gens qui pensent être les propriétaires de l'église. Non, pas seulement les membres de l'église. Il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des docteurs qui pensent être les propriétaires de l'église. À casa di Deus, la maison de Dieu, ce n'est pas la maison d'une personne. C'est la maison de qui? La maison de Dieu. Non, si l'Éternel me met ici pour diriger son peuple, ce n'est pas ma maison. Si l'Éternel m'élève pour être ici en train de chanter, ce n'est pas ma maison, mais c'est sa maison. Il peut me mettre ici pour chanter et il peut aussi me tirer quand il veut. Il peut me mettre ici à faire quelque chose et il peut me... quand il veut. Alléluia. Et toi qui penses être rien dans l'église de Dieu, toi qui penses être la dernière personne dans l'église de Dieu, je voulais te donner une information. Ça, c'est ta pensée. Quand tu es ici, dans ce lieu, quand tu viens ici prier, c'est Dieu merveilleux. La Bible dit, dans Psaume 133, la bénédiction vient de la tête, il passe à la barbe, il va couler jusqu'au fond. Alléluia. Amen. Toi qui penses être là au fond, la bénédiction de l'Éternel va te rencontrer là où tu es. Amen. Alléluia. Ne te déconsidère pas dans la maison de Dieu. Parce que tu es fils de Dieu. Amen. Tu es la postérité d'Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne te déconsidère pas, bien-aimé. Ne te déconsidère pas, ma fille, ma soeur, mon frère, mon fils. Ne te déconsidère pas. Dieu te connaît. Dieu te connaît. Le pasteur peut-être t'oublier. Les hommes de Dieu peut-être peuvent t'oublier. Mais lui, il a dit dans sa parole, je ne t'abandonnerai jamais et je ne te délaisserai jamais. Je serai avec toi tous les jours de ta vie. Alléluia. Dis, il est avec moi. Il est avec moi. Il ne m'abandonnera jamais. Il ne m'abandonnera jamais. Il ne m'abandonnera jamais. Dis, il est avec moi. Dans ce combat, il est avec moi. Dans cette maladie, il est avec moi. Dans cet échec, il est avec moi. Il ne m'abandonnera jamais. Les gens de ce monde peuvent dire que tu es dans la honte. C'est leur parole. C'est leur parole. Ils peuvent dire que tu es dans la... Ça leur regarde. C'est que moi je sais. J'ai quelqu'un.
Il est différent de tous les autres. J'ai quelqu'un. Il est différent de mon père. J'ai quelqu'un. Il est différent de ma mère. J'ai quelqu'un, bien-aimé. Il est différent de mon oncle qui va en Chine, qui va aux États-Unis, qui va à Dubaï, qui va, je ne sais pas. Il est différent. Et il ne m'abandonnera jamais. Alléluia. 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 L'Église n'appartient pas à un homme. L'Église appartient à Christ. La raison pour laquelle nous devons donner la première place dans l'Église à Christ. La place primordiale, nous devons attribuer à Christ. Si tu vois dans une église où la place primordiale de l'église est donnée à un homme, je te conseille, sors de cette église. Si tu vois la place de Jésus-Christ dans l'église est donnée à un partenaire parce qu'il donne beaucoup à l'église, sors de cette église. Sors. Ne pose pas de questions, sors. La place primordiale de l'Église, c'est à Jésus. Il a dit dans sa parole, il disait à Pierre, apôtre Pierre, tu es Pierre, mais sur cette pierre, toi tu es Pierre, mais sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Tu es une petite pierre. Tu es un homme, tu n'es pas capable. Tu es une personne, tu ne peux pas. Sans moi, tu ne peux rien faire. Sans moi, toi, tu ne peux rien faire. Tu es une petite pierre. Mais sur cette pierre, la pierre angulaire, la grande pierre, la pierre qui a rejeté les baptiseurs, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne domineront point. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas dit à Pierre, nous allons nous associer pour bâtir l'église. Il n'a pas dit à Pierre, tobe ta cop, to négocier, to ça la société. Il n'a pas dit à Pierre, nous allons bâtir notre église. Il a dit, je bâtirai mon église. Si l'église c'était de Pierre, les portes de l'église auraient été fermées. Mais parce que c'est l'église de Jésus, alléluia, alléluia, parce que c'est l'église de Jésus. Comment est-ce qu'on dit ça? Ah, le terme m'échappe en français. Acontez ce qui acontecer. Advienne que pourra. Oyekoya eya. Si c'est l'église de Christ. Oyekoya eya. Eko kangamate. Alléluia. Alléluia. Ta bénédiction, bien-aimé. Ton élévation. Ce que Dieu veut faire en toi. Les diables de ta famille peuvent s'élever. Les malfaiteurs de ta famille peuvent s'élever. Les démons de ton quartier peuvent s'élever. Mais si ta bénédiction vient de l'Éternel, alléluia. Batele manabango. Babina na bango na butu. Babeta manzanza na butu. Bamizo ki sabapota. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Basala nyoso balingi. Nkolo na yo. Azana yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demeurez en Christ. Demeurez en Christ. Demeurez dans les fondements des apôtres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, les âmes augmentées. Les âmes augmentées.
3000 âmes en un seul jour. Il continue à dire, ils persévéraient. Ils étaient dans la communion fraternelle, dans la fraction des pains, dans les prières. Et la crainte s'emparait de tous. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup des enfants de Dieu, ils viennent à l'église, mais ils ne savent pas l'importance de l'église. Ils ne savent pas pourquoi ils viennent à l'église. Je vais à l'église parce que mon frère, que j'aime beaucoup, est allé à l'église. Parce que quand j'arrive là-bas, mon frère va jouer le piano et ça fait du bien. C'est le français que j'ai beaucoup entendu ici. Ah, ça fait du bien. Alléluia. Lorsque j'écoute ça, oh, ça fait du bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui te fait du bien? C'est le rythme ou la personne de Christ? Amen. Alléluia. C'est pour cela que nous voyons même dans l'église, quand on est en train de louer Dieu, il y a des frères et sœurs qui dansent, les dents de l'autre côté. Alléluia. Aller de louer Dieu et danser pour Dieu, ils pensent de l'autre côté. Tu regardes les frères, la sœur, mais confusion. Confusion. Ce que je vis dans le monde, je les rencontre dans l'église. Alléluia. Onésime. Pitié, Seigneur. Alléluia, peuple de Dieu. Si nous venons à l'église, nous devons savoir, nous devons connaître pourquoi nous allons à l'église. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Il savait. Il était un roi distingué. Une personne que le Seigneur, notre Dieu, a dit, l'a appelé l'homme selon mon cœur. Cet homme-là a dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Mais il y a des gens aujourd'hui, quand vous lui disiez, allons à la maison de l'Éternel, ils te regardent. Mais qu'est-ce qu'il veut cet homme-là? Qu'est-ce que je vais aller faire à la maison de l'Éternel? Mais nous qui sommes ici, nous allons approfondir notre connaissance, nous allons approfondir notre intelligence, connaître bien ces dieux-là, connaître bien notre Dieu. Qu'est-ce qu'il fait ces dieux? Qu'est-ce qu'il fait quand nous venons dans sa maison, quand nous les cherchons, quand nous les louons, quand nous l'adorons? Qu'est-ce qu'il fait dans nos vies? Amen. C'est bien d'aller à la maison de l'Éternel. Et ceux qui vont à la maison de l'Éternel, ce sont ces gens-là que le Seigneur a mis à part. Ces gens-là qui ont compris l'évangile de Jésus-Christ. Ces gens-là qui ont compris les fondements que Jésus-Christ a laissés aux apôtres. Alléluia. Nous qui sommes ici, nous avons compris. Raison pour laquelle nous sommes ici, pour écouter une fois encore la parole de l'Éternel. Amen. Amen, peuple de Dieu. Le premier pas pour parler de l'importance de la maison de Dieu, c'est la maison de Dieu nous enseigne. La maison de Dieu nous enseigne de l'avènement de Christ. Du retour de Jésus-Christ. La maison de Dieu nous enseigne de l'avènement de Christ. Il y a des gens dans ce monde, ils sont là, ils vivent la vie. Les gens qui aiment la vie, ils vivent la vie. Et ils disent aux autres, vivez la vie quand vous avez la vie. Vivez-la. Mais ils ne savent pas, ils oublient qu'il y a quelqu'un qui a donné cette vie-là,
Et un jour, c'est celui qui a donné cette vie-là viendra reprendre la vie. Nous, enfants de Dieu, nous devons connaître qu'un jour, celui qui nous a donné la vie viendra. Ne l'oubliez pas. Il viendra. Les gens peuvent dire que ça fait longtemps. Tous les jours dans les églises, on nous prêche que Jésus-Christ viendra. Il reviendra. Mes ancêtres étaient là. Ils avaient écouté cette parole, ils sont morts. Mon père était là, il est mort. Moi aussi, je suis là. Mais quand est-ce qu'il viendra? Je t'assure, bien-aimé dans le Seigneur, il viendra. Dis avec moi, il viendra. Encore une fois, il viendra. Encore une fois, Jésus-Christ viendra. Il viendra un jour. Il y a des maisons, nous sommes dans la maison de Dieu, mais il y a des maisons, au lieu d'enseigner les retours de Christ, ils enseignent comment devenir multimillionnaire. Si tu cherches, tu vas rencontrer. Il y a des maisons, nous parlons de Jésus, nous enseignons les fondements des apôtres, mais il y a des maisons qui enseignent comment avoir un mari multimillionnaire. Il y a des maisons qui enseignent comment avoir beaucoup d'argent. Il y a des maisons qui enseignent des jeunes filles comment attraper un homme qui a beaucoup d'argent. Beaucoup dans ce monde. En Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique. Beaucoup. Il y a des maisons qui enseignent aux jeunes gens comment tuer pour avoir de l'argent, comment voler pour avoir de l'argent. Il y a beaucoup de jeunes gens qui se sont déviés pour ça. Ils sont déviés. Au lieu d'être dans la maison de Dieu, écoutez la parole de Dieu. Ils sont déviés. Jeunes gens, retiens ça. Peut-être un jour, il y aura un ami qui viendra te dire, suis-moi. Ici, il y a la facilité. Ils sont là, éparpillés. Il viendra te dire, suis-moi. Là où moi je suis allé, il y a tous. Tout ce que tu veux, tu en auras. Attention. Attention, fais beaucoup d'attention. Tu vas voir un jour un ami de longue date, peut-être, un ami qu'on ne sait plus vivre. Lorsque tu vas le voir, lorsque tu vas le rencontrer, tout beau, un Jeep neuf, extraordinaire, tu seras là. Ah, mais comment? Comment tu es arrivé là? Fais beaucoup d'attention. Ce qui importe pour nous, chrétiens, enfants de Dieu, ce n'est pas ce qui est dans ce monde. Ce n'est pas ce qui est dans ce monde. Mais ce qui est là. Là-haut, chez notre Père. La Bible dit, il est le maître, il est le propriétaire de l'or et de l'argent. Il est le maître des temps et des circonstances. Tu peux aujourd'hui amasser toutes les richesses de ce monde, mais demain, s'il dit, je vais prendre ton âme, les richesses que tu as amassées dans ce monde ne peut acheter ta vie, ne peut racheter ta vie, ne peuvent en aucun cas racheter ta vie. Il y a beaucoup d'exemples, beaucoup d'hommes dans ce monde qui ont parti trop jeunes. Mais ils étaient des millionnaires. Leurs millions ne leur ont servi à rien. Ils sont partis. Mais nous, enfants de Dieu, nous pouvons souffrir ici dans cette terre. Nous pouvons manquer ici dans cette terre. Mais là, la Bible dit, nous aurons tout. Alléluia. Nous aurons tout. Fais beaucoup d'attention, bien-aimés, sur le retour de Christ.
L'Église enseigne, nous enseigne sur le retour de Christ. Un jour, Jésus-Christ de Nazareth viendra prendre son Église. Il viendra prendre son Église. Ici, c'est une Église locale. C'est ici où nous venons apprendre la parole de Dieu. Mais la vraie Église que Jésus-Christ viendra prendre, ce n'est pas ces bâtiments. Écoute-moi bien, peuple de Dieu. Ce n'est pas ces bâtiments que Jésus-Christ viendra prendre. L'église que Jésus-Christ viendra prendre, c'est toi et c'est moi. Alléluia. Alléluia. C'est toi et c'est moi. Il a dit dans sa parole, il n'habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes. Je parle ainsi, comme ça, lentement pour ne pas me... C'est une langue que ça fait longtemps. Il n'habite pas dans les maisons faites des mains d'hommes. Mais il habite dans la maison que lui-même a faite. Et la maison qu'il a faite, c'est toi et c'est moi. Alléluia. Lorsque nous étions encore poussière, lorsque personne ne nous reconnaissait, lui, dans les profondeurs de la terre, il nous connaissait. Il nous a pris dans les profondeurs de la terre. Il nous a tissés par ses mains. Il nous a fait par ses mains. Et il a soufflé en nous son souffle de vie. Peut-être tu peux dire que j'étais là. Parce que si j'étais dans les profondeurs de la terre, j'étais déjà là. Oui, tu étais là. Mais de là, sors de toi-même. Alléluia. Sors de toi-même. Il fallait quelqu'un qui puisse te tirer de là, te tisser, te construire, te fabriquer et donner en toi ce que lui avait. Parce qu'on ne donne seulement ce qu'on a. Ce qu'il avait, c'est ce qu'il t'a donné. Sans cela, tu n'es rien. Sans cela, tu n'es pas. Alléluia. Sans le souffle de vie qu'il a donné, on n'y est pas. Alléluia. Et c'est celui-là que nous devons suivre. Et c'est celui-là que nous devons attendre. Il y a des gens qui sont là très tristes. Cet argent-là que j'attends jusqu'à présent, ça ne vient pas. Il m'a promis. Il a dit même qu'il me donnera. Ça fait 3 mois. 3 mois et tu es en train d'attendre. 4 mois, tu es en train d'attendre. Une année, tu continues à avoir patience. Mais pour avoir patience à la parole de Dieu, on m'a prêché la parole de Dieu. J'ai patience, je crois à la parole de Dieu. J'ai la foi à la parole de Dieu. Je dois attendre le temps de Dieu, le temps favorable de Dieu. Peut-être s'il me donne maintenant, je vais dévier. Je dois... Les enfants de Dieu n'ont pas la patience. N'ont pas la patience. Attendez le temps favorable. Sans oublier qu'un jour, il reviendra. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Il reviendra. C'est pourquoi, donnez-lui la première place dans ta vie. Comme nous devons lui donner la première place dans l'église locale, nous devons aussi lui donner la première place dans nos vies. Dans ma vie, premièrement, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Premièrement, c'est Jésus-Christ. Le reste viendra après. On nous a parlé de l'amour fraternel. Vivre en union. Amour fraternel entre les bien-aimés. Je ne sais pas comment expliquer ça. Dans l'église de Dieu, dans l'église locale, il y a des enfants de Dieu qui ne se parlent pas. Mais ils sont là. Dans l'église de Dieu, il y a des gens qui ne se donnent pas la main. Parce que moi, je suis arrivé le premier. Lui, il est arrivé maintenant. Et qu'est-ce qu'il veut me montrer? Je suis l'ancien dans l'église. Je suis l'ancienne dans l'église.
Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'elle veut me montrer? Alléluia, peuple de Dieu. L'amour fraternel. Nous devons nous aimer réciproquement. Réciproquement. Oui, ton frère, ta soeur peut gaffer peut-être contre toi. Mais ce n'est pas la raison. Ce n'est pas la raison de ne plus lui parler. Il a gaffé, oui, bien sûr, mais c'est ma soeur. Ma soeur, ce que tu as fait, Dieu n'aime pas comme ça. Nous ne pouvons pas marcher comme ça. Parle avec lui gentiment, poliment. C'est ça ce que l'Éternel, notre Dieu, veut de nous. Parle avec lui gentiment et poliment. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Dans la maison de Dieu, s'il vous plaît. C'est dans la maison de Dieu qu'arrivent ce genre de choses. J'ai entendu une histoire. Un bien-aimé, il appelait l'autre bien-aimé en Afrique. Mon bien-aimé. Le bien-aimé en Afrique a envoyé sa femme avec ses enfants en Europe, là où il y a son bien-aimé. Bien-aimé, reçois ma femme. Et elle vient avec les enfants. Reçois ma femme. La femme du bien-aimé est arrivée. Ici en Europe. La femme du bien-aimé est arrivée. Et le bien-aimé qui a reçu la femme du bien-aimé a changé les choses. Alléluia. Alléluia. La femme du bien-aimé est devenue la femme du bien-aimé. Ce n'est pas la femme du bien-aimé qui est devenue la femme des païens. Non. Si elle était devenue la femme des païens, vous pouvez peut-être comprendre, n'est-ce pas? C'est un païen. Mais la femme du bien-aimé est devenue en Europe la femme du bien-aimé en Europe. Oh, mais comment? Je suis ton bien-aimé. Mais pourquoi tu me fais ça? Je suis ton bien-aimé. Pourquoi tu te comportes de cette façon? Je suis ton bien-aimé. Pourquoi tu ne respectes pas la sainte parole de Dieu que nous écoutons à l'église? Tu es mon bien-aimé. Pourquoi tu ne veux pas me faire du bien? Tu es mon bien-aimé, tu es ma bien-aimée. Pourquoi tu ne respectes pas les limites? Alléluia. Alléluia. À d'autres qui ont dit, élargissons les poteaux. Nous devons élargir les poteaux. C'est dans la Bible. Nous devons devenir grands. Non, bien-aimés. Non. Respectons la parole de Dieu. Nous devons vivre en communion entre frères, entre sœurs. Je reconnais qu'elle est ma sœur. Ce sont mes sœurs, ce sont mes frères. Je les dois du respect. Alléluia, peuple de Dieu. Respectez. Aimons-nous les uns les autres. D'un amour fraternel. Pas d'un amour profit. Pas d'un amour profit. D'un amour fraternel. Alléluia. Dans la maison de Dieu, à part le retour de Christ, l'avènement de Christ, à part la vie en communion, l'amour fraternel, la maison de Dieu... Dans la maison de Dieu aussi, nous recevons les réponses à toutes nos questions. Dans la maison de Dieu, nous recevons des réponses à toutes nos questions. Il y a des questions, il y a des problèmes que mon père peut résoudre. Il y a des problèmes, il y a des choses que je peux venir chez le prophète, j'expose mon cas, le prophète peut résoudre. Il y a des problèmes que... Je peux parler à ma sœur à l'église, à mon frère à l'église, à un papa à l'église, à une maman à l'église. Regarde, je passe ceci, je passe cela, et la personne peut résoudre. Mais il y a des problèmes. Ni mon père, ni ma mère ne peut résoudre. Il y a des problèmes. Ni mon pasteur, ni mon évangéliste peut résoudre. Il y a des problèmes, ni mes compagnons peuvent résoudre. Seulement lui seul qui peut résoudre. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai lu dans la Bible, il y avait une femme
qui avait une infirmité. La femme était courbée pendant 18 ans. Cette femme était courbée pendant 18 ans. Et cette femme-là allait à l'église. Le pasteur était là. Les sacrificateurs dans les temps étaient là. Je ne sais pas s'il y avait aussi des évangélistes et des prophètes. Tous étaient là. Ils étaient là. Et ils voyaient cette femme-là pendant 18 ans. Une femme qui vient à l'église, il est comme ça. Tout le monde le voit. Il est là. Elle est là. Tout le monde le voyait. Ni les sacrificateurs, ni sa famille, ni ses amis pouvaient résoudre le problème de cette femme-là. Dis avec moi, la maison de Dieu. La maison de Dieu. La maison de Dieu. J'habiterai dans la maison de Dieu jusqu'au fin de mes jours. Cette femme-là, parce qu'elle venait, dans la maison de Dieu. Dieu a regardé et a eu compassion de lui. Parce que les gens de ce monde ne peuvent donner solution à ton problème. Moi, Dieu, je vais intervenir dans ton problème. Alléluia. Alléluia. Parce que ton pasteur, parce que ta maman, ton père, tes frères, tes amis ne peuvent donner solution à ton problème. Et comme toi, tu viens tous les jours m'adorer dans ma maison, je suis là pour toi. Et il est là pour nous ici aujourd'hui. Il est là pour nous ici aujourd'hui. Il est là pour nous ici aujourd'hui. Au nom de... Ces jours-là, celui-là qui donne la vie était là dans l'église. Les propriétaires de la vie étaient là dans l'église. Il a regardé, il a dit non, moi j'ai donné la vie à cet homme, mais ce n'est pas comme ça que moi j'avais donné cette vie. Ce n'est pas comme ça. Le propriétaire de la vie a redressé la femme. Il a redressé la femme. Et la femme s'est tenue bien debout. Alléluia. Alléluia. Chose drôle, bien-aimé. Lorsque la femme s'est bien tenue debout, ce n'était pas la foule. Ce n'était pas les membres de l'église. Mais les sacrificateurs se sont levés. Pourquoi faire ceci? C'est le jour de sabbat. Pourquoi faire ceci? Bien-aimé dans le Seigneur, je voulais te dire, pour faire un acte de grâce, il n'y a pas de disposition à suivre. Il n'y a pas des obligations à suivre. Si tu veux faire un acte de grâce, fais-le. Peu importe la circonstance ou les circonstances, peu importe le moment. S'il faut pour faire un acte de grâce, fais-le. Le jour que l'Éternel visitera ta vie, le jour que l'Éternel te donnera ton cœur désire, tu verras, il y aura des gens qui vont s'élever. Les jours qu'ils vont te voir changer de vision, changer tout, ils vont s'élever. Et là, tu vas reconnaître qui sont, qui étaient tes ennemis. Pourquoi il est devenu comme ça? Tu ne pouvais pas faire ça. Tu ne pouvais pas lui donner ça. Mais ton Dieu est un Dieu indépendant. Il ne dépend de personne pour agir. Quand il s'élève pour agir, il ne demande conseil à personne. Il n'a pas de conseiller, ton Dieu. Il n'a pas de conseiller. Quand il s'élève pour agir dans la vie de son enfant, il ne va consulter personne. C'est sa proposition d'intervenir quand il veut et comment il veut. Alléluia. Il n'y a personne qui lui dira, donne-lui seulement un peu. Non. Personne ne lui dira, bon, celui-ci donne un peu. Non.
quand il va intervenir dans ta vie, les gens vont s'élever. Tu verras les gens commencer à te combattre. Tu verras les gens commencer à murmurer à côté de toi. Pourquoi il est élevé? Pourquoi seulement lui? Les autres ne font pas ça. Pourquoi lui fait ça? Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Ton Dieu t'a promis d'être avec toi tous les jours de ta vie. Dans la maison de Dieu, nous courons avec le temps. Nous recevons autre chose que nous recevons dans la maison de Dieu. Nous recevons une huile spéciale. Une huile spéciale. Et spéciale en portugais. Une huile spéciale. Qui est l'onction divine. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens ne savent pas. Quand ils viennent dans la maison de Dieu, ils louent l'Éternel, ils adorent l'Éternel, ils écoutent la parole de Dieu. Ils ne savent pas. Une chose que la Bible nous dit, que le royaume des cieux ne consiste pas seulement dans la parole, mais dans la puissance. Alléluia. Le royaume des cieux, la vie chrétienne, ne consiste pas seulement dans la parole. C'est la puissance. Alléluia. Amen. Ezanguya. C'est une puissance. Quand toi tu sors d'ici, tu sors avec la puissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oyoyoyoki. Ce que tu as entendu, Ezakakamalobate. Ce ne sont pas des paroles seulement des paroles, mais c'est la puissance. Alléluia. Amen. Oyoyozui. Ce que tu as reçu, Ezakakamalobate. Ce ne sont pas que des paroles, mais c'est la puissance. Et quand tu sors, les diables tremblent. Toi tu ne sais pas. Toi, tu ne les vois pas. Mais quand toi, tu sors ici avec cette puissance de la parole, les démons tremblent. Mais dommage. Tu reçois la puissance, après tu la rejettes. Tu reçois la puissance, après tu ne sais pas conserver cette puissance. Parce que tu es tout le temps exposé à des choses de ce monde. Tu suis chaque fois les choses de ce monde auquel tu es exposé. Et c'est comme ça que la puissance de Dieu sort en nous. Et c'est comme ça que la puissance de Dieu nous abandonne. Nous sommes exposés à des choses de ce monde, des choses qui ne bénissent pas l'Éternel. Nous sommes exposés. Nous recevons la puissance dans la maison de Dieu. Comme nous avons lu dans Psaume 133, c'est comme l'huile qui descend dans la tête d'Aaron, qui descend dans la barbe, jusqu'aux pieds, jusqu'au bas de son vêtement. C'est la puissance, bien-aimé. Et qui est intelligent saisit cette puissance-là, il ne peut abandonner. Il ne peut lâcher cette puissance. Parce que c'est ça la vie. C'est ça qui nous conduit. La puissance du Saint-Esprit. Souvenez-vous que Jésus est monté au ciel. Mais avant de monter, il nous a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelin. J'envoyerai le Saint-Esprit. C'est lui qui vous enseignera tout ce que je vous ai dit. C'est lui qui vous donnera la puissance. Et lui, il habitera en vous, pas à côté de vous, en vous. Et qui a reçu cette puissance-là, le Saint-Esprit? Il ne peut laisser sortir le Saint-Esprit en lui. Il ne peut lâcher, il ne peut laisser aller le Saint-Esprit en lui, en dehors de lui. Il doit le maintenir. Et si tu le maintiens en toi, bien-aimé, même les sorciers de ton quartier commenceront à te fuir. Les magiciens de ton quartier commenceront à te fouiller. Ils vont dire aux autres, moi je ne comprends pas cet homme-là. Votre français là, je ne comprends pas cet homme-là. Comment il est cet homme-là? Alléluia.
Oui, ils ne vont pas te comprendre parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Alléluia. Il est plus grand que celui qui est dans ce monde. Et celui où les gens de ce monde ne les connaissent pas. C'est pour cela qu'il ne sait comment discerner celui qui est en nous. Il pense que nous sommes allés dans les maisons des magiciens, des marabouts. Non. Nous avons reçu celui qui est plus grand que celui qui est dans ce monde. La puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Quand vous recevez cette puissance, vous devenez une personne différente. C'est une chose sainte que Dieu donne à des hommes, à des femmes saintes. Dieu donne à des femmes saintes les choses saintes. À des hommes saints, Dieu donne les choses saintes. L'huile, l'onction, la puissance, Dieu donne. Si tu es saint, il va te donner aussi ce qui est saint. La puissance. Et devant cette puissance-là, personne, bien-aimé, personne ne se lèvera contre toi. Personne. Avec cette puissance-là, tu frapperas les portes et elles seront ouvertes. Avec cette puissance-là, tu chercheras et tu trouveras. Beaucoup aujourd'hui cherchent et ne trouvent pas. Frappent les portes continuent fermées. Manque de puissance. Manque de puissance. Peut-être il avait reçu la puissance, mais il a rejeté. Il a oublié. Dans la maison de Dieu, avec cette puissance-là, cet esprit-là, l'Esprit Saint, nous recevons la consolation. Nous recevons la consolation. Quand je suis triste dans ma maison, quand je suis, je ne sais pas moi comment, je vais à la maison de Dieu. J'entre dans la maison de Dieu. Je m'agenouille devant l'Éternel. Je commence à louer mon Dieu. Je commence à adorer mon Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aurai la consolation. Mais beaucoup de nous, aujourd'hui, quand il a des problèmes, l'enfant ne peut pas passer à côté de lui. L'enfant ne peut pas crier. Quand la femme crie à côté de lui, toute la colère est déversée sur l'enfant. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Allez à la maison de Dieu. Allez à la maison de l'Éternel. Allez déverser ton problème devant ton Éternel, ton Dieu. Alléluia. Dans la maison de Dieu, nous recevons la consolation. Venez ici recevoir la consolation. Ne restez pas à la maison quand tu es fatigué, quand tu es ennuyeux. Quand tu n'as rien à faire. Venez à la maison de Dieu. Notre Dieu n'interdit jamais les gens travailler. Il n'interdit jamais les gens étudier. Il n'interdit jamais. Si c'est le moment d'aller travailler, allez au travail. Il n'interdit jamais. Allez au travail. Si c'est le moment d'aller à l'école, étudier, allez à l'école. Allez étudier. Mais notre Seigneur, il nous oblige. Il nous oblige. C'est un ordre. Alléluia. C'est un ordre. Il n'interdit pas d'aller au travail, il n'interdit pas d'aller à l'école, mais il nous oblige de venir dans sa maison. Parce que nous sommes à lui. Nous sommes à lui. Quand ce n'est pas le moment d'aller au travail ou à l'école, je dois venir à la maison de Dieu. Je dois venir à la maison de Dieu. Ça, c'est une obligation pour les enfants de Dieu. Venez à la maison de Dieu. À la maison de Dieu, quand tu viens, tu ne sortiras pas de la manière dont tu es venu. Tu sortiras différemment. Alléluia. Alléluia. Tu vas sortir d'une autre façon. D'une bonne manière, d'une bonne façon, avec des bons
avec des bons résultats. Alléluia. Alléluia. Dans la maison de Dieu, nous recevons une chose. Quand nous, enfants de Dieu, nous disons que je reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je suis allé à l'église pour la première fois. Oh, je vais toujours à l'église, mais je n'avais pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et un jour, j'ai décidé de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. C'est quoi? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est seulement en parlant dans mes lèvres, dans ma bouche, que je le reçois? C'est quoi recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? La personne qui dit qu'elle a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur est la personne qui a entendu la parole de Dieu. Elle a compris la parole de Dieu. Et enfin, elle va décider. Je le reçois. Et quand tu le reçois, tu dois faire ce qu'il te demande. Tu dois faire ce qu'il te demande. Première chose à faire, tu dois savoir méditer la parole de Dieu. Comment expliquer quelqu'un qui a dit qu'il a reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et ne médite pas la parole de Dieu? Ne lis pas la parole de Dieu. Ne fais pas attention à la parole de Dieu. Comment est-ce que la personne qui a dit qu'il a reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, comment est-ce que sera renouvelée son intelligence? Parce que notre intelligence est renouvelée par la méditation. Par la méditation, nous renouvelons notre intelligence. Par la méditation, le Saint-Esprit entre en nous et renouvelle notre intelligence. Ce sont des choses spirituelles. Seuls ceux qui sont spirituels qui comprennent ces choses. Si tu n'es pas spirituel, tu ne comprendras pas. Pour comprendre ceci, il faut être spirituel. En méditant la parole de Dieu, je l'ai reçu comme mon Seigneur et Sauveur. Maintenant, je dois méditer, je dois parler avec lui, je dois être avec lui, je dois marcher avec lui. Alléluia. Et comme ça, mon intelligence sera renouvelée. Ce qui était, comme dit l'apôtre Paul, ce qui était pour moi hier comme bénéfice, aujourd'hui, je le vois comme de la boue. Après avoir reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, apôtre Paul, Saoul dans les temps, après avoir reçu Jésus, son intelligence était renouvelée. Il a changé la façon de penser. Il a changé la façon de voir les choses. Le renouvellement de l'intelligence dans la méditation de la parole de Dieu. Ici en Europe, toujours, je vois, je suis passé là-bas, gare du Nord, gare de l'Est, j'avais toujours des vertiges. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Tout le monde à vitesse. J'ai dit, non, moi je ne peux pas. Tout le monde préoccupé. Je n'ai pas vu les gens qui marchaient comme moi, lentement et doucement. Je n'ai pas vu. Tout le monde à vitesse. Et je me suis dit, ici, il faut qu'il y ait des policiers pour mettre les codes de la route ici. Sinon, il y aura des accidents. Alléluia. Les gens, ils n'ont pas le temps de lire la parole de Dieu. Les gens, ils n'ont pas le temps de méditer sur la parole de Dieu. Mais fils de Dieu, cette parole est venue pour toi. Apprends à méditer la parole de Dieu. Apprends à ouvrir ta Bible dans ta maison. Oui, tu peux être fatigué, tu es venu de travail, tu as beaucoup travaillé. Mais cherche un petit temps pour ouvrir la parole de Dieu. Si tu as le temps pour travailler, pour conserver la vie, cette vie-là, c'est quelqu'un qui t'a donné. Et pour méditer la parole de cet homme-là, ça devient difficile. Alléluia. Il t'a donné la vie.
Maintenant, pour méditer sa parole, pour renouveler ton intelligence, pour le connaître mieux, pour recevoir encore plus de lui, ça devient difficile. Pour cela, nous travaillons. Nous travaillons. Nous faisons des efforts, mais nous ne recevons pas. Il t'a déjà béni. Tu es dans la voie des bénédictions. Mais il te manque quelque chose. Fais ce qu'il te demande. Renouvelle maintenant ton intelligence. Alléluia. Renouvelle ton intelligence pour recevoir encore plus de lui. Le renouvellement de l'intelligence. La parole de Dieu change nos pensées. Alléluia. Alléluia. Si tu médites la parole de Dieu, c'est bien, mais ce n'est pas tout. C'est bien, mais ce n'est pas tout. Tu dois proclamer la parole de Dieu. Moi qui ai reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Salvateur, je vais terminer. Moi qui ai reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et comme mon Sauveur et Salvateur, je dois méditer à sa parole. Je ne vais pas m'arrêter seulement à la méditation de sa parole, mais je vais proclamer sa parole. Je vais parler à mon voisin, à ma voisine, de la parole de Dieu. Je vais parler aux gens qui ne le connaissent pas. Je vais parler de sa parole. Je vais inviter ceux qui ne viennent pas à l'église afin qu'ils viennent ici à l'église. Mais regardez combien de temps que tu es ici dans l'église. Et chaque dimanche, tu viens toi seul. Chaque dimanche, tu viens toi seul. Même les gens de ta maison, ils restent à la maison. Tu sors de ta maison, tu dis que je vais à l'église, tu te prépares. Et tu sors toi-même, tu es venu à l'église. Et c'est là que tu as laissé à la maison. Ils n'ont pas besoin de la parole de Dieu. Ils n'ont pas besoin de Dieu. La Bible dit, la Bible nous conseille, dans Thessaloniciens, Timothée Thessaloniciens, de faire l'œuvre de l'évangéliste. De prêcher la parole de Dieu. Parler de Dieu à nos voisins, aux membres de nos familles, dans nos maisons. Amenez tout le monde dans la maison de Dieu. Ne viens pas seul. Vous voyez combien nous résistons notre Dieu. Cet espace ici, la fois passée, j'étais ici, j'avais dit, deviendra petit si nous mettons en pratique la parole de Dieu. Parce que nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, nous pensons que cet espace ici est trop grand pour nous. Mettons seulement la parole de Dieu en pratique et nous verrons que cet espace ici est trop petit. Est trop petit pour les enfants de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Méditez la parole de Dieu et proclamez la parole de Dieu. Parlez des autres de la parole de Dieu à l'école. Parle de la parole de Dieu. Au travail, parle de la parole de Dieu. Les gens de ton travail, tes collègues à l'école, au travail, doivent savoir que toi, tu es un enfant de Dieu. Ils doivent connaître que tu es un enfant de Dieu. Mais jusque-là, encore, c'est là qu'il se cache. Même quand il vient à l'église, il n'aime pas tenir sa Bible. Que tout le monde voit qu'il a une Bible dans les mains, il va à l'église. Ils ont la honte. Il y a de cela, quand les gens de ton quartier te voient avec la Bible, ils vont te demander, « Hé, toi aussi ?» Naïopé. Pourquoi ? Alléluia. Alléluia. Proclamons la parole de Dieu. Nous devons proclamer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le transport. C'est le véhicule qui transporte les esprits. La parole de Dieu, c'est le véhicule qui transporte les esprits. Quand toi, tu transmets la parole de Dieu à quelqu'un, quand tu lui parles de Dieu, l'Esprit de Dieu va entrer dans cette personne-là. Il va renouveler l'intelligence de cette personne-là. Et elle va te suivre. Amen. Et enfin,
pratiquer la parole. Moi qui ai reçu la parole, moi qui ai entendu la parole, je dois mettre en pratique. Et comme je disais, les gens qui ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit qu'ils ont reçu la vie éternelle. Et je disais, c'est quoi la vie éternelle? Quand je pratique tout ceci, quand je mets tout ceci en pratique, la vie éternelle, c'est-à-dire j'ai reçu Jésus. Non seulement Jésus, mais toutes les richesses qu'elle amène avec lui. La vie éternelle, c'est Jésus avec toutes les richesses, toutes ses richesses. Je ne craindrai rien, je n'aurai peur de rien. Aujourd'hui, si je manque, demain, je ne manquerai pas. Alléluia. 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 La Bible dit, nous donnons ce que nous avons. Nous pouvons nous lever. Nous pouvons nous mettre debout. Nous donnons ce que nous avons.